Bien, bonsoir. Donc, on va parler, comme promis, de géopolitique. J'ai dédié cette conférence à Mahsa Amini, qui est une jeune iranienne qui a été tuée par la police des mœurs pour avoir mal porté le voile obligatoire. Et sa mort a déclenché le mouvement de révolte qui est actuellement en Iran et qui a notamment qui a des liens avec le sujet de la conférence, avec Internet et géopolitique, puisque le mouvement de révolte du peuple iranien a mené le régime à accentuer la censure de l'Internet et les Iraniens ont cherché différents moyens de le contourner. On en parlera un peu plus longuement, si vous voulez, dans les questions. Mais alors d'abord, pour parler d'Internet et géopolitique, alors il y a un terme que je déteste, c'est « cloud ». D'abord, c'est de l'anglais, mais même en français, ça ne sera pas mieux. Si on disait nuage, ça aurait à peu près les mêmes problèmes. C'est vraiment le mensonge marketing dans toute son horreur. Il ne faut jamais utiliser ce terme, parce que ce terme, délibérément, cherche à faire croire aux gens un certain nombre de choses. Un nuage, c'est joli, ça plane. Déjà, ça n'a pas de lien avec la géopolitique, ça plane en-dessus des pays, des nations, donc ça vise à faire croire aux gens qu'il n'y a pas de frontières, ce qui serait cool dans l'absolu, sauf que ce n'est pas la réalité. Donc ça vise en fait à nier l'existence des frontières et donc à faire oublier aux gens que, pour le meilleur ou pour le pire, la Terre est toujours divisée en États avec des politiques différentes et que ça a une importance pour ce que vous pouvez faire ou pas faire. Le terme de nuage laisse aussi entendre que tout ça, c'est du virtuel, donc que ça n'a pas de conséquences. Bon, il y a déjà eu plusieurs conférences ici au Forum PHP qui rappellent que l'Internet est tout sauf virtuel. Il y a des gens derrière, vous par exemple, il y a des matériaux, il y a de l'énergie, il y a tout un tas de choses. C'est absolument pas immatériel. Dans les autres termes que je déteste, il y a tout ce qui est virtuel ou le monde virtuel, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Tout est concret. Donc, le terme de les jolis nuages et tout ça, on les utilise jusqu'à ce que la réalité nous rattrape. Alors, j'avais dit que je parlerais de trucs tristes, mais j'ai quand même voulu mettre au moins un slide humoristique. C'est un titre du Figaro du mois d'août qui annonçait qu'à cause des conséquences de la guerre en Ukraine, il allait y avoir une pénurie de bière en Allemagne, ce qui est évidemment très grave et va certainement susciter des troubles, des révolutions, des trucs comme ça. Bon, ça ne concerne pas directement l'Internet, mais ça illustre le fait que les événements qui se produisent dans le monde ont des conséquences. Il y a une guerre, et contrairement à ce qu'on lit parfois, ce n'est pas une guerre aux portes de l'Europe, c'est une guerre en Europe qu'il y a en ce moment et qui a des conséquences, même sur des gens qui pensaient que ça ne les touchait pas. Bon, je ne vais pas parler de bière plus longtemps, parce que mon sujet, c'est l'Internet, et là aussi, il y a des conséquences. Alors, le premier exemple, comme quoi le monde physique, les nations, la géopolitique comptent sur l'Internet. Le premier exemple, évidemment, ça va être l'Ukraine. Alors, le dessin ici est difficile à lire de là où vous êtes, mais je vous rassure, même si vous aviez l'article sous les yeux, il est aussi difficile à lire. C'est un travail de recherche fait par Louis Pétignot sur la connectivité des opérateurs Internet en Ukraine et les différentes relations qu'il y a. Excellent travail, on en reparlera plus tard. Parce que c'est important justement d'étudier comment les choses sont connectées. Contrairement à la mythologie du cloud, du nuage, où on ne sait pas trop bien, où tout le monde parle avec tout le monde, on ne sait pas trop bien par où ça passe et comment, la réalité, c'est des connexions physiques et sociales, et que c'est elles qui peuvent changer en cas de guerre. Par exemple, dans les territoires qui sont occupés par l'armée russe, une des premières choses qu'ont fait les autorités russes en pleine guerre, alors qu'on pouvait penser qu'ils avaient d'autres choses à faire, des premières choses qu'ils ont faites dans tous les territoires occupés, c'est de forcer les opérateurs Internet locaux, les fournisseurs d'accès Internet, à changer leur connexion vers l'extérieur pour que ça passe par la Russie, alors qu'en général, la plupart des acteurs ukrainiens, leur connexion allait vers l'ouest, vers l'Europe. Et alors, vous allez me dire, oui, bon, enfin, d'accord, mais ils sont toujours connectés, ça ne change pas grand-chose. Ben, si, c'est qu'à partir du moment où ça passe par les réseaux russes, ça veut dire que ces communications sont accessibles aux mécanismes de surveillance russes, c'est-à-dire de regarder le trafic, de regarder ce que font les gens, et aussi à leurs mécanismes de censure. C'est-à-dire de bloquer tel ou tel type de communication. Donc, ce n'est pas juste une affirmation de souveraineté de la part de la Russie, ce n'est pas juste pour des raisons symboliques
qu'il force ce reroutage des communications, donc qu'ont étudié des chercheurs comme Pétignot, s'il y a aussi des conséquences très concrètes pour les gens. Alors justement, j'ai parlé de surveillance. Donc la surveillance, c'est un autre aspect où la géopolitique compte beaucoup. La surveillance exercée par les États, elle est plus facile quand ça passe par son territoire. Si on veut espionner, si on veut regarder le trafic, si on veut voir ce qui se passe, c'est plus facile quand la communication passe chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'à l'extérieur où ça peut être compliqué. Et là, de ce point de vue-là, il y a des pays qui sont mieux placés que d'autres. Actuellement, sur l'Internet tel qu'il est actuellement, c'est relativement rare qu'une communication entre deux pays passe par un pays tiers avec deux énormes exceptions, les États-Unis et la Grande-Bretagne secondairement, enfin loin derrière quand même. C'est le résultat qui vient du fonctionnement de l'Internet historique et du poids politique, social, etc. des États-Unis, qui fait que les connexions Internet ne suivent pas tellement la géographie, un petit peu quand même, mais pas tellement. Donc il y a, quand vous regardez la carte, par exemple, vous avez l'impression que pour aller, par exemple, de Thaïlande au Japon, c'est plus logique de passer par la Chine, mais en fait, ce n'est pas le cas. Pour différentes raisons, politiques, économiques, etc., le trafic passe soit à l'extérieur par des câbles sous-marins, soit quand il passe par un pays tiers, c'est très souvent les États-Unis, y compris quand la géographie ne le dit pas. Si vous regardez l'Amérique latine, par exemple, la connexion entre deux pays d'Amérique latine passe quasiment toujours par les États-Unis. Et des fois, c'est pire, c'est la connexion entre deux opérateurs du même pays qui passe par les États-Unis. Bon, en Europe, la Grande-Bretagne joue un rôle similaire, mais beaucoup, beaucoup plus faible. Donc les connexions inter-européennes, en général, restent dans l'Union européenne, ou en tout cas dans l'Europe. Alors savoir si la Grande-Bretagne est en Europe ou pas, c'est une question géopolitique intéressante, mais qu'on n'a pas vraiment le temps de traiter ici. Donc le résultat, c'est que les États-Unis disposent de capacités d'espionnage beaucoup plus grandes, et qu'ils utilisent, bon, dans les documents révélés par Snowden, c'est lui sur la photo, montrent largement que les États-Unis utilisent cette possibilité. C'est pas juste. Ce n'est pas juste une possibilité théorique. Alors justement, puisque je parlais de l'Internet, c'est important de signaler que je parle bien de l'Internet, pas des services qui tournent dessus. Excusez-moi. Des problèmes de mise. Voilà. C'est mieux comme ça ? Non ? Si ? OK. Voilà. Donc c'est important de distinguer l'Internet des services qu'il y a. On parle souvent en anglais de Internet Core, le cœur, qui est vraiment l'Internet lui-même, le réseau sous-jacent, alors que, par exemple, dans les discours des hommes politiques ou des journalistes, souvent ils ne connaissent de l'Internet que ce qu'ils voient. Donc pour eux, l'Internet, c'est YouTube et TikTok. Alors je ne dis pas que ce n'est pas important, YouTube et TikTok, c'est absolument stratégique. Mais il y a un Internet qui est en dessous, qui est le réseau qui sert à porter les communications, et c'est lui dont je vais parler ici, quand je vais parler de géopolitique de l'Internet. La plupart des débats politiques ou des livres qui encombrent les librairies sur l'Internet, les GAFA, les écrans, tous ces problèmes-là, ne parlent uniquement que des services. Et donc, bah, vous savez, c'est Google, c'est Facebook, c'est des trucs comme ça. Moi, je voudrais plutôt parler de l'infrastructure, donc de l'Internet lui-même, du vrai Internet. Donc, le cœur de l'Internet, c'est donc l'infrastructure physique, les câbles sous-marins, par exemple, mais aussi toute une infrastructure de protocoles au-dessus d'infrastructures, parce qu'ils ne rendent pas un service directement à l'utilisateur. Des protocoles comme BGP, le protocole de routage de l'Internet, ou comme le DNS, le système des noms de domaine, ces protocoles-là ne rendent pas un service directement à l'utilisateur. Personne ne va payer un abonnement à Free ou à Orange juste pour faire des requêtes DNS. Enfin, très peu de gens, je pense, feraient ça. Donc, il n'y a pas de service directement rendu à l'utilisateur, mais c'est un socle indispensable. S'il ne marche pas, tout le reste s'écroule. Donc c'est vraiment crucial que ce cœur continue à fonctionner. Il y a aussi, j'en ai pas parlé sur le slide, mais il y a aussi une infrastructure sociale, les relations entre les opérateurs qui font que depuis Santiago du Chili jusqu'à Vladivostok, vous pouvez communiquer. Enfin, plus ou moins. D'ailleurs, c'est pour ça, du fait de cette importance du cœur, qu'il y a de temps en temps des appels à sanctuariser le cœur, c'est-à-dire qu'à dire que bon, bah, les services
ils peuvent avoir, être forcés d'obéir à des lois nationales, à des règles particulières, mais le cœur de l'Internet, lui, doit rester une infrastructure commune, indépendamment de tel ou tel problème, par exemple légal, qui ferait que telle ou telle vidéo devrait être retirée de YouTube. Un exemple d'un tel appel à sanctuariser le cœur a été lancé par exemple par l'Internet Society. Là, c'est l'article d'Andrew Sullivan, son président, qui expliquait pourquoi il ne fallait pas s'attaquer à l'Internet. Et c'est bien l'Internet, je répète, c'est pas, ça veut pas dire, il ne disait pas du tout qu'il ne fallait pas... je ne sais pas, censurer YouTube ou des trucs comme ça, ou que YouTube censure, c'était l'Internet, donc l'infrastructure qui est commune à tout le monde. Bon, je le dis tout de suite, hein, je spoil tout de suite le reste, ces appels à sanctuariser le cœur, moi je suis plutôt d'accord, mais en pratique, ça n'a aucune chance de marcher, les États ne demandent au contraire pas mieux que d'interférer avec le fonctionnement de l'Internet pour des buts politiques locaux. Donc, pour tout le reste, rappelez-vous, quand je dis Internet, c'est bien l'Internet. C'est pas le web, c'est pas TikTok, c'est pas YouTube, c'est pas Facebook. Alors, j'ai parlé de surveillance et de censure en disant que l'un des buts des autorités russes en redirigeant le trafic des zones occupées en Ukraine, c'était de faire passer par les systèmes de censure russes. Alors, la censure, c'est un des trucs du monde les mieux partagés. Elle est typiquement sur une base nationale, puisqu'elle dépend des lois ou des politiques nationale. C'est un exemple typique quand on veut dire que l'Internet n'est pas un nuage qui plane au-dessus des pays, mais qu'il est tenu par les lois locales, les mœurs locales, les pratiques locales. Un exemple typique, c'est la censure, parce qu'elle est éminemment nationale. Ce qui est interdit ou autorisé n'est pas du tout la même chose selon les pays. Vous savez, par exemple, qu'aux États-Unis, c'est absolument interdit de montrer le bout d'un téton féminin, alors que, par contre, à un massacre à l'arme automatique, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez le montrer tant que vous voulez. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont des fois dans les lois ou des fois pas, mais qui sont très nationaux. Donc, par exemple, en France, si on cite, par exemple, les motifs qui permettent légalement de censurer un contenu sur Internet, il y a tout ce qui est lié au jeu d'argent, les sites de paris en ligne illégaux, la propagande terroriste, la pédopornographie, tout ce qui concerne les ayants droit. Donc, en France, Sci-Hub, la base d'articles scientifiques, ou la Z-Library, qui présente des livres en ligne, sont censurés. Il y a aussi... Alors là, il y a moins de bases légales claires. Tout ce qui est propagande russe depuis le début de la guerre, RT et Sputnik, qui sont des officines de propagande poutinienne, sont aussi censurés en France sur une base légale qui n'est pas très claire, mais bon, ils n'ont pas fait de procès pour râler encore. Ça serait assez drôle, d'ailleurs, le gouvernement russe qui se plaint de la censure. Mais bon, on ne sait jamais, il y a des États qui osent tout. Bon, la technique ensuite, pour ces faits, les techniques de censure, elles sont variées. En Europe, et donc en France aussi, la technique la plus courante de censure s'attaque justement directement à l'infrastructure de l'Internet, au cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque c'est le résolveur DNS menteur. Si vous êtes client d'un des grands fournisseurs d'accès Internet, Orange, SFR, Free, etc., vous utilisez par défaut, quand vous ne faites rien de particulier, vous utilisez par défaut leur résolveur DNS, donc la machine à qui votre machine va poser des questions DNS, du genre YouTube.com, c'est qui, RT.com, il est où. Et le résolveur est menteur, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous donner la vraie réponse, il va vous prétendre que Sci-Hub n'existe pas ou se trouve à telle adresse qui est fantaisiste. D'autres pays utilisent d'autres techniques. L'Iran, par exemple, sujet d'actualité, n'utilise pas beaucoup le résolveur DNS menteur et la Chine très partiellement. Donc les techniques utilisées varient d'un pays à l'autre, mais le principe d'interférer avec les communications, lui, est extrêmement fréquent. Donc là, je cite surtout des cas français sur ce slide, parce que c'est ce que je connais, et puis on est en France. Mais naturellement, le récent mouvement en Iran a rappelé qu'il y a des tas de pays où c'est bien pire. Donc en Iran, par exemple, il y a eu des censures massives, y compris allant jusqu'à la déconnexion de régions entières, notamment le Kurdistan iranien, puisque Mahsa Amini était originaire du Kurdistan, donc le mouvement est parti du Kurdistan, et qui a été complètement coupé. D'autres régions d'Iran ont été touchées de manière inégale. Par exemple, pas mal de gens en Iran utilisent le système de messagerie instantanée Signal, qui est chiffré de bout en bout, qui permet d'avoir des communications relativement sûres. Rappelez-vous, hein, quand même, si vous êtes dissident en Iran, rappelez-vous qu'il n'y a pas de méthode de sécurité parfaite. Donc attention, ça reste quand même risqué. Mais bon, si on...
C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de solution technique miraculeuse à ce genre de problème. Néanmoins, Signal résout pas mal de problèmes, sauf qu'il est bloqué. Les serveurs de Signal sont bloqués en Iran. Et donc, tout un tas de gens configurent des relais Signal un peu partout dans le monde pour que les Iraniens puissent continuer à utiliser Signal malgré la censure. Il y a un jeu permanent, c'est la guerre entre l'épée et la cuirasse, et elle est éternelle. À chaque fois que l'épée se perfectionne, la cuirasse se perfectionne, et ainsi de suite. Un autre thème courant, quand on parle de géopolitique, quand on parle de gouvernance de l'Internet, excusez-moi, j'ai coupé une oreille qui doit être un peu bizarre, ou ça, oui, peut-être serait mieux avec celui-là, oui. Voilà, est-ce que ça va avec celui-là? Ou alors il faut le replacer, mais il bouge. Voilà. Un autre thème qui est courant quand on parle de politique, de géopolitique de l'Internet, et un thème que vous verrez peut-être apparaître dans les discussions, qui se même retrouver dans des journaux ou des médias grand public, c'est le thème de la fragmentation. Là, par exemple, la copie d'écran, c'était un article sur la publication d'un rapport au Parlement européen, c'était au mois de juin de cette année, un rapport au Parlement européen détaillant ce qu'il en était de la fragmentation Internet, en quoi ça consistait. Donc, c'est un thème qui est un petit peu à la mode, on entend souvent parler avec des termes sensationnalistes, splinternet ou des trucs comme ça, qui exprime donc en gros l'idée qu'il n'y a plus où il n'y a plus d'Internet unique, mais il y aura une fragmentation avec un Internet chinois, un Internet états-unien. Alors, c'est compliqué. Je vous dis tout de suite, c'est compliqué. Là aussi, j'aime bien spoiler à l'avance, parce qu'on peut dire tout et son contraire là-dessus. Et puis, il y a un problème qui est très courant en politique, c'est qu'il y a des hypocrisies. Il y a des gens qui utilisent des mots pour dire en fait autre chose, qui racontent un truc pour en fait un but qu'ils n'osent pas avouer. Par exemple, les GAFA aiment bien raconter, ça fait partie de leurs éléments de langage traditionnels, que le RGPD, le Règlement européen de protection des données personnelles, fragmente l'Internet, puisque les données qui sont en Europe ne peuvent pas être exportées tranquillement aux États-Unis. Oui, je sais, Biden a signé le Privacy Shield 2.0 la semaine dernière, mais enfin, on reste à voir comment ça sera appliqué. Donc, leur argument, c'est de dire que ça empêche le libre flux de l'information. Il y a un lobbyiste de Google, par exemple, Vinton Cerf, qui a raconté ça encore la semaine dernière pour dire « Ah là là, c'est triste, autrefois l'Internet c'était cool, tout le monde partageait avec tout le monde et maintenant le partage n'est plus possible. » Bon, sachant qu'il travaille chez Google, c'est quand même assez drôle de se plaindre parce que Google récolte plein de données, mais n'en envoie pas. Il n'y a pas de partage de données, il y a l'envoi des données à Google. Donc, quand quelqu'un parle de fragmentation, il faut toujours être prudent. Un autre cas d'hypocrisie qu'on trouve assez souvent, chez les courants, disons, souverainistes, c'est-à-dire les gens qui voudraient que l'Internet soit fragmenté, qui regrettent que le fait qu'il y ait un Internet mondial, qui voudrait que chaque pays ait uniquement ses outils de communication et qu'il n'y ait pas de communication transfrontière, ces souverainistes sont souvent les premiers à dire qu'il y a fragmentation et à dire ça y est, c'est fait, de manière à ce qu'on accepte qu'il n'y ait plus de communication. Donc, ils prêchent ce qu'ils voudraient en fait obtenir. Donc ça, la réalité est un peu différente. La réalité de la fragmentation aujourd'hui, c'est que, au moins pour le cœur, donc IP, BGP, DNS, ça reste peu fragmenté. Alors, comme toujours, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il peut y avoir des avis différents là-dessus. Mais en gros, aujourd'hui, la plupart du temps, vous pouvez encore envoyer un paquet IP d'un point de l'Internet à un autre. Alors, ça ne marche pas dans tous les cas. Il y a des problèmes, ça peut être des pannes ou ça peut être des actes de censure délibérés. Mais en gros, pour l'instant, ça reste possible. Sauf en Corée du Nord, mais bon, c'est un cas un peu exceptionnel. Par contre, quand on quitte le cœur et quand on monte vers les services, là, on voit des vraies différences nationales. Les Chinois n'utilisent pas les mêmes services. Si jamais vous croyez, par exemple, que tout le monde utilise Google et Facebook, non. C'est une vision française, mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. Les Chinois utilisent plus souvent des services différents, les Russes aussi d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a fragmentation de l'Internet. Il y a fragmentation peut-être au niveau des services, mais l'Internet lui-même reste bien, pour l'instant, unique. Je dis bien pour l'instant parce que
Bon, ma boule de cristal est en panne, donc je ne vous dis pas ce qu'il en sera dans 5 ans. Il faudra revenir au forum PHP dans 5 ans pour voir comment ça a évolué. Donc, ces différences dans les services utilisés, je n'utilise personnellement pas le terme de fragmentation pour en parler, plutôt régionalisation, par exemple, d'autant plus que contrairement à la fragmentation qui fait qu'on ne peut plus communiquer du tout, même si on veut, la régionalisation relève souvent de choix nationaux, alors qui sont des fois évidents. Hein, les Japonais regardent des sites web en japonais et les Français des sites web en français. Ça, c'est assez évident et ce n'est pas une fragmentation de l'Internet. C'est juste des différences nationales qui peuvent être aussi culturelles. Par exemple, les Russes utilisent Yandex plutôt que Google, F-Contact plutôt que Facebook, depuis longtemps. Ce n'est pas lié à la dictature ou à la guerre ou des trucs comme ça. C'est depuis très longtemps que c'est comme ça. Pour des raisons culturelles, ça a été créé en Russie, ça leur semble plus convenir, des choses comme ça. Donc quand les gens disent il y a un monopole de Google et Facebook, tout le monde utilise ça, non, c'est une vision étroitement nationale. Les gens qui disent ça, la réalité du monde est bien plus complexe. Alors, il y a toujours une menace de fragmentation. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, le cœur de l'Internet reste peu fragmenté, mais la menace existe toujours et elle est dans tous les pays. J'avais cité la censure de RT et Sputnik, dont la base légale est extrêmement douteuse. Donc le gouvernement français, tout en reprochant à Poutine sa dictature bien réelle, est le premier à mettre en place des systèmes de censure et de couper, et plus tout un tas de discours autour d'éventuelles coupures de l'Internet. Ah, vous allez me dire comment on sait tout ça, comment on étudie l'Internet. Par exemple, les jolis graphiques comme ceux qu'avait fait Pétignot dans l'exemple de l'Ukraine que j'avais mis au début, qui sont beaucoup mieux en grand. Comment est-ce qu'on obtient ce genre d'informations? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se promener un peu partout dans l'Internet pour étudier ça? Oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Si on veut savoir, par exemple, ce qui se passe en Bolivie ou en Mongolie, on n'est pas forcément obligé d'y aller. C'est intéressant, ça permet de voir d'autres choses. Mais l'Internet a une qualité, c'est qu'il est très transparent. Plein de choses sont visibles par tout le monde. Le DNS, par exemple, vous pouvez faire des requêtes DNS. Les tables BGP, les tables de routage, elles sont publiques. Il y a des tas d'endroits où vous les trouvez. Vous pouvez utiliser TraceRoute pour voir où passent les paquets. Donc, plein d'études sont possibles. Et d'ailleurs, plein de chercheurs travaillent là-dessus. Donc, tout ce que je raconte ici, par exemple, sur le fait que le cœur de l'Internet reste peu fragmenté, ce n'est pas juste une opinion personnelle comme ça, parce que j'ai envie d'y croire. Ça s'appuie sur le travail d'un certain nombre de chercheurs qui publient dans des revues sérieuses où c'est écrit petit, où il y a plein de notes en bas de page, pour expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Quels sont les changements qu'ils ont vus? Quels sont les effets, par exemple, d'une guerre ou d'un mouvement de lutte nationale comme en ce moment en Iran? Ils s'appuient pour ça sur des tas d'outils techniques. Par exemple, les sondes ONI, c'est des sondes spécialement dédiées à la mesure de la censure. Donc, comme la censure est nationale, il faut placer des sondes à différents endroits pour pouvoir regarder ce qui se passe et qui ensuite signalent à leur maître ce qu'elles ont vu, et ça permet d'étudier des phénomènes locaux. Personnellement, j'utilise plutôt les sondes RIP Atlas, c'est des petits machins pas plus grands que ça. C'est un petit routeur TP-Link, en fait, avec dedans ce qu'il faut comme logiciel, des volontaires les installent dans leur réseau et les branchent dans leur réseau, et ensuite, l'intérêt des sondes Atlas, c'est que tout le monde, pas seulement l'organisation qui les gère, peut leur soumettre des mesures à faire, par exemple des requêtes DNS, des traces routes. C'est un outil de débogage et d'analyse et d'étude de l'Internet extraordinaire. Pour ceux qui s'intéressent à la géographie, dans le dernier numéro de la revue Hérodote, il y a un article de Louis Pétignot qui explique l'intérêt des sondes Atlas pour l'étude de la géopolitique de l'Internet, et c'est tout à fait passionnant. Au passage, comme elles sont installées par des volontaires dans des réseaux, volontaires welcome. Alors, en France, pas tellement. En France, la France est assez bien couverte. Mais si vous pouvez obtenir que des sondes Atlas sont placées dans des endroits moins couverts, et surtout qu'elles soient maintenues, parce que c'est une chose de les installer, mais c'est une autre qu'elles y restent, pendant qu'elles continuent à fonctionner des mois ou des années après, ça serait intéressant. Il y a des pays entiers, comme l'Algérie, qui n'ont peu ou pas de sondes Atlas. Donc, si vous connaissez des gens là-bas, ça peut être intéressant. Et puis, bon, il y a des organisations comme NetBlocks qui travaillent spécifiquement à étudier les problèmes de blocage, de panne, de trucs comme ça, qui arrivent sur l'Internet. Alors, il y a aussi de la désinformation. Enfin, alors, il y a un mélange de
n'importe quoi et de franche désinformation. Le n'importe quoi, c'est les gens qui comprennent rien et qui disent n'importe quoi. Ça, c'est fréquent. Dès qu'on connaît un domaine bien et qu'on regarde ce qu'en racontent les médias, par exemple, on est souvent consterné parce qu'il y a vraiment une série d'énormités qui fait peur, souvent. Donc ça, c'est un des problèmes de la géopolitique de l'Internet. Ça repose souvent sur des choses qui sont complètement absurdes, qu'on trouve aussi dans d'autres domaines. Alors, que par exemple, il y a des gens qui croient que à chaque fois qu'on regarde une vidéo sur YouTube, ça fait bouger les disques d'un serveur en Californie et retour, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'énormités qui circulent. Et puis il y a aussi de la désinformation délibérée, c'est-à-dire des gens qui racontent n'importe quoi parce que c'est dans leurs intérêts. Alors dans le domaine de la fragmentation, j'ai très souvent entendu dire la Chine a sa propre racine DNS. On ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, mais c'est clairement faux. N'importe qui peut voir exactement le contraire. Vous allez à Pékin dans un cybercafé. Bon, avant la pandémie, c'était plus facile. Vous pouvez facilement voir que c'est complètement faux, mais c'est une légende qui est répétée en boucle. Et comme les médias, en général, se citent les uns les autres et ne font jamais de fact-checking, une légende, une fois qu'elle est lancée, peut tourner longtemps. Ou bien, alors c'est souvent des pays lointains, donc c'est plus difficile de vérifier. L'Arménie utilise RINA, personne en Arménie n'en a jamais entendu parler, mais c'est pas grave, il suffit de le répéter suffisamment souvent et des gens vont finir par y croire. Un deuxième exemple, après les récents événements en Ukraine et le reroutage des communications par l'armée russe, c'est un exemple qui est plus classique quand on parle de géopolitique de l'Internet, c'est l'exemple des noms de domaine. Donc en plus, je le connais bien. Je ne vais pas en parler de tous les aspects de la gouvernance des noms de domaine, les débats politiques, les trucs comme ça, il y en a trop. Mais il y a au moins un truc qui m'intéresse particulièrement, parce que c'est une erreur très répandue, notamment quand les gens ont un projet de présence en ligne et vont choisir un nom de domaine, c'est la croyance, pas toujours explicite, mais ce qui est souvent dans les têtes, c'est que beaucoup de gens croient que .com a une sorte de statut international. Ça serait quelque chose qui serait un peu comme les Nations Unies, géré de manière internationale. Mais en fait, bon, comme vous en doutez, ce n'est pas du tout vrai. Tiens, je ne vous ai pas posé encore beaucoup de questions. Petit quiz, quel est l'organisme qui gère .com? Non, non. Non. VeriSign, oui. Le registre de .com est une entreprise privée états-unienne cotée en bourse qui s'appelle VeriSign. Alors, ceux qui ont cité l'ICANN n'ont pas complètement tort, parce que l'ICANN joue un rôle de régulateur pour ça, encadrant les prix et les pratiques de .com. Ceci dit, en pratique, on n'a jamais vu l'ICANN résister à une demande de VeriSign, notamment les demandes d'augmentation des prix. VeriSign est coté en bourse, donc évidemment, pense aux intérêts de ses actionnaires, c'est humain. Et à chaque fois qu'il demande une augmentation de prix, l'ICANN dit OK. Donc, c'est pour ça que je dis que .com est géré par VeriSign, qui est une entreprise états-unienne, donc qui suit les lois de son pays, c'est assez normal, hein, ils peuvent difficilement faire autrement. Il n'y a pas du tout de statut international qui les placerait à l'écart des lois. Et ça a une importance pratique en cas de litige. L'exemple le plus fameux, c'est celle de Roja Directa, qui est une entreprise espagnole qui avait un business qui était légal en Espagne. Ils avaient eu un procès en Espagne qu'ils avaient gagné. Les gens qui leur avaient fait le procès ont recommencé le procès aux États-Unis et ont réussi à faire sauter le .com. Vous voyez, pour une entreprise qui a son business en ligne, ce que c'est de perdre son .com comme ça, ça fait assez mal. Et ça illustre le fait que ben, si vous avez un .com et que vous avez un litige, ça sera un tribunal aux États-Unis. Et c'est moins cool que dans les séries télé avec l'avocat qui bondit, qui dit objection, le juge qui dit d'accord. C'est moins bien en vrai quand il faut répondre à un document présenté par l'autre partie et qui fait 2000 pages scannées. Là, la justice états-unienne a quelques particularités qui passent mal à la télé. Un autre cas où la géopolitique compte, c'est les problèmes des sanctions qui sont appliquées. Il y a eu, là aussi, à cause de la guerre en Ukraine, pas mal de débats là-dessus. Alors, pour les noms de domaine, le gouvernement ukrainien avait officiellement demandé la suppression de .ru, le domaine de tête de la Russie. L'ICANN avait refusé tout de suite en disant qu'ils n'y pouvaient rien, que ce n'était pas eux qui géraient les noms de domaine et qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur le .ru, donc ils ne pouvaient pas se supprimer. Et il y a eu aussi une demande adressée au RIPNCC. Qui est-ce qui sait ce que c'est que le RIPNCC et à quoi ça sert ?
C'est normal. Hein. À part les opérateurs réseau, peu de gens connaissent. Les registres d'adresses IP sont beaucoup moins médiatiques et beaucoup moins sous le feu des projecteurs que ceux de noms de domaine, par exemple. Mais il y a 5 organismes qui attribuent les adresses IP et d'autres ressources utiles dans le monde. Le RIPNCC, c'est celui de l'Europe. Donc, il y a aussi reçu une jolie lettre du gouvernement ukrainien demandant de récupérer toutes les adresses IP allouées à des opérateurs russes. Le RIPNCC a aussi répondu de la même façon qu'ils n'y pouvaient rien, que c'était pas, qu'ils n'avaient absolument aucun pouvoir de faire ça. Ceci dit, le RIPNCC est aux Pays-Bas, suit la loi des Pays-Bas, bien obligé, donc les sanctions aussi. Donc ça pose des problèmes avec ces membres russes, problèmes qui ne sont pas réglés. Là, la copie d'écran, c'est un article de la juriste en chef du RIPNCC qui est expliquait bah, comment le RIPNCC, pour l'instant, gérait les sanctions. Alors le RIPNCC, ce n'est pas juste l'adresse IP en Europe, hein, c'est l'Europe, mais au sens large, ça va jusqu'à la frontière pakistanaise, et donc l'Iran, par exemple, est également dans la zone du RIPNCC, donc le problème des sanctions est un problème ancien. Il y a aussi des opérations qui ne relèvent pas vraiment des sanctions au sens légal, mais des gros opérateurs Internet comme Cogent et Lument ont carrément débranché leurs clients russes. Donc là, ça fait plus mal, parce que là, effectivement, c'est dur de trouver une autre connectivité. Alors justement, parlons de connectivité. Troisième exemple, c'est où passent vos communications. J'avais dit à propos du cas de l'Ukraine, l'Europe est un cas très particulier. C'est-à-dire que le trafic européen reste essentiellement en Europe, contrairement au n'importe quoi qu'on a vu dans les médias à propos du risque que les sous-marins russes, en coupant les câbles, nous débranchent de l'Internet, enfin, comme si des gens qui confondent un pays avec Monsieur Tout-le-Monde, qui, effectivement, quand Monsieur Tout-le-Monde perd sa fibre, parce qu'un sous-traitant d'Orange dans le sous-sol a débranché la fibre pour brancher, a débranché la fibre free ou le contraire, quand Monsieur Tout-le-Monde perd sa fibre, effectivement, il n'y a plus Internet du tout. Un pays ne fonctionne pas du tout comme ça, et surtout l'Europe, où il y a une forte connectivité interne. Mais ça, c'est assez spécifique à l'Europe. Dans beaucoup d'autres régions, par exemple en Afrique ou en Amérique latine, la règle, c'est plutôt que la communication entre deux pays voisins passe par un pays tiers. Entre le Maroc et l'Algérie, ça passe par la France, la Grande-Bretagne, enfin, ce qu'on veut. Et des fois, même, c'est pire, c'est à l'intérieur d'un même pays que la communication entre deux fournisseurs d'accès passe par l'étranger. En Colombie, par exemple, la communication entre deux fournisseurs d'accès colombiens passe quasiment toujours par les États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'interconnexion locale. On pourrait, alors ça fait partie des choix politiques, hein, dans géopolitique et apolitique, on pourrait faire différemment. En Bolivie, il y a une loi, par exemple, qui impose l'interconnexion locale. Si vous êtes fournisseur d'accès Internet en Bolivie, vous devez vous interconnecter au point d'échange national et échanger du trafic avec les autres opérateurs boliviens. La Colombie a choisi une approche plus, comment dirais-je, libérale. Et donc, le résultat, c'est que tout passe par Miami ou Los Angeles, qui, en dépit de leur nom, ne sont pas des villes latino-américaines. J'ai un peu parlé de souveraineté à un moment, juste un petit rappel important. C'est souvent, quand on parle de géopolitique, c'est souvent sous l'angle exclusivement souveraineté numérique. Alors, le concept n'est pas bien défini. Et des fois, les types qui se réclament très fort de souveraineté, c'est des fois le simple chauvinisme, voire la volonté d'impliquer des règles autoritaires locales. Donc le point important à se demander, c'est la souveraineté de qui ? Est-ce que c'est celle de l'État ou du citoyen ? Et ce n'est pas toujours pareil. En théorie, ça serait pareil. En théorie, l'État est au service du citoyen. Mais la réalité est un peu différente. En conclusion, alors il y a des tas de trucs dont je n'ai pas pu parler, hein, par manque de temps, comme les cyberattaques, par exemple, des choses comme ça, qui sont intéressantes, mais qu'on n'a pas le temps de traiter. Le point important, c'est que vous soyez pour ou contre, l'Internet ne vit pas dans les nuages. Il vit dans le monde réel, il n'y a pas de monde virtuel, hein, ça n'existe pas. L'Internet vit dans le monde réel, avec des gens réels, des entreprises réelles, soumises à la politique et aux règles politiques nationales. Et puis, donc, du fait que la géopolitique a une influence sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne peut pas faire, ben, je reprends un slogan ancien qui est que si tu ne t'occupes pas de géopolitique, c'est la géopolitique qui s'occupera de toi. Donc, tu ne peux pas dire, quand je les tue, c'est vous, on ne peut pas dire la technique est neutre, moi je m'en fiche, je produis juste mon code PHP, le reste, ce n'est pas mes oignons. Ben, parce que non, parce que si, de toute façon, il y aura des conséquences en raison des événements qu'il y a dans le monde, il y aura des conséquences pour vous. La copie d'écran, là, c'est un tweet qui citait un problème pendant les élections en Zambie où l'Internet avait été coupé pendant les élections, ce qui a l'avantage que d'éventuelles contestations ne sortent pas à l'extérieur.
Voilà, je vous remercie. Et puis, il reste 2 minutes 30 s'il y a des questions, des remarques, des critiques, des choses comme ça. Merci beaucoup. On a le temps d'une question, du coup. Allez, j'arrive. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je reviens sur ce point de la connectivité. Vous disiez qu'au sein d'un même pays, il y avait deux opérateurs qui n'étaient même pas interconnectés. Je ne comprends pas pourquoi. Ils n'ont pas intérêt à interconnecter, et c'est à quel niveau qu'ils n'ont pas cet intérêt ? Alors, c'est un phénomène, bon, souvent au début, c'est historique. C'est-à-dire qu'au début, les premières connexions, on les fait avec les États-Unis parce que les gens veulent voir YouTube. Et après, le phénomène tend à s'auto-entretenir. Comme les utilisateurs veulent se connecter à l'étranger, on privilégie les connexions à l'étranger. Donc, il n'y a pas de contenu local, il n'y a pas d'hébergement local. Donc, on continue à privilégier les liaisons avec l'étranger. Et ce problème de cercle vicieux s'auto-entretient. Pour reprendre l'exemple de la Colombie, si le gouvernement colombien veut faire un site web officiel, s'il l'héberge dans le pays, il va favoriser les abonnés d'un opérateur particulier, ceux chez qui c'est hébergé. C'est embêtant pour un gouvernement. A priori, il doit traiter tous les citoyens pareil. Donc, paradoxalement, la meilleure façon de servir tous les citoyens, c'est d'être hébergé à l'étranger. Ce qui, à son tour, pousse à avoir des meilleures connexions à l'étranger, et ainsi de suite. Il peut aussi y avoir des rivalités locales, puisque les opérateurs nationaux sont concurrents. Donc, ils ont plus envie de se connecter à l'étranger qu'avec des concurrents directs. C'est pour ça que mon opinion est que si on ne fait pas une loi comme en Bolivie, ben le phénomène continuera éternellement. Alors en Europe, il y a une forte pression des utilisateurs et des gouvernements. Ça ne s'est pas traduit dans des lois. À ma connaissance, en Europe, il n'y en a pas là-dessus, mais au moins des fortes pressions locales pour qu'il y ait une interconnexion locale. Facilité aussi par la géographie, parce que l'Europe, c'est petit et qu'il y a depuis longtemps un fort réseau, bien avant Internet, hein, je ne parle pas du réseau informatique, mais depuis longtemps, des forts réseaux locaux qui existent. Donc, c'est simplement des phénomènes, en tout cas, qui ne sont pas techniques, qui n'ont pas de justification technique. C'est entièrement du business. Merci beaucoup.